C'est Jeff Padaclocque et Jean-Marc. Ah ben on est très heureux d'être là, merci pour l'invitation Pascal. On a croisé Johnny, ça y est, ils l'ont débranché, hein. Il est derrière. Ils ont enlevé les batteries, c'est cool. Hein. Merci. Allumez le feu. Qu'est-ce que tu fais? La bronchite. Parce que je sais ta serre la cirrhose. Bon, Jean-Marc, s'il te plaît. Oui, d'accord. Bien. Bonsoir à tous, bah, ouais, je suis très content. On est le jour, hein. C'est des yeux, c'est l'après-midi. Bah, bonjour. Oui, Seigneur. Voilà, bonjour à tous. Alors, Jean-Marc, si tu avais quelque chose à dire? Oui, j'ai quelque chose à dire. Voilà, je suis très content d'être là parmi vous aujourd'hui. J'ai décidé de devenir une star. On m'a dit, quand tu vas chez Drucker, tu deviens une star. Non, Jean-Marc. Oui. Pour devenir une star, il faut coucher. Ouais, je sais, il faut coucher. Ah, je suis prêt à tout. Il y en a une qui veut rentrer dans le show business, là, Jean-Marc. On va tasser dans mon bureau. Non. Non. Voilà. Sous le bureau. Jean-Marc. C'est grâce à vos genoux, c'est de la moquette. Hey, hey, hey. Et à la tête aussi. Hein. À chaque fois, c'est... Elle se cogne. C'est pas de leur faute. Non, c'est à cause des tiroirs. C'est mal foutu, les nains d'IKEA. Merci, voilà. Elles doivent pas sucer, les Suédois. Jean-Marc. On se pose des questions. T'es Suédois, Michel? Non, c'est bon, c'est bon. Il a une tête de cerise Krolls. Bon, Jean-Marc, là. Ça doit être l'âge. Bon, hé, hé, hé. Oui. Allez, s'il te plaît, concentre-toi. Si tu es venu aujourd'hui, c'est pour... J'en sais rien. Si. Pour faire Johnny Hallyday. Non, non, autre chose. Oui, je suis trop vivant. Michael Jackson. Non, tu peux pas faire Michael Jackson. Si, je te sers Michael Jackson. Tu sais pas faire. Si, je sais faire Michael Jackson, tiens. Il y a des enfants. Non, pas celle-là, je vois pas celle-là. T'as compris, Michel? Il a compris, il a compris. Ouais. J'ai la naine avec Jean-Luc Larrey. Hey, hey, hey. Je n'y connais, hein. J'ai fait la communion. Hé, 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 viens. Il y a des curés, Jean-Marc. Ouais. Bien. Il y a rarement des curés ici, hein. Bien. Quand on a dit non, Jean-Marc. Bien. Il y en a qui ont une tête de curé. T'en as sucé de l'hostie. Hé, 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 hé. C'est un gâteau. Excuse-toi. Anène. Ouais. Anène le fric. Hé. Je veux faire Michael Jackson. J'ai dit non. Vous voulez que je fasse Michael Jackson? Ouais. Ça te trouve le cul, hein. C'est chiant, hein. Allez. Mesdames, mesdemoiselles et messieurs, en exclusivité mondiale, dans toute la France, voici Michael Jackson. Dépêche. Hi, hi. Jean-Marc? Quoi? Qu'est-ce que tu fais là? Michael Jackson? T'as pas mieux que ça comme Michael Jackson? Si. Jean-Marc? Thriller! Oui, on a compris là. T'as pas mieux que ça comme Michael Jackson? Là où il est, je t'entends mieux faire, hein? Et je suis le meilleur imitateur en ce moment! Je te veux faire aussi Claude François! Bien. Michel, t'es au courant qu'on a comme Jackson? Oui, bah, tout le monde est au courant. Bah, Claude François aussi, il était au courant. On avait dit Clo-Clo, tu t'attliques. Eh, 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 bien. Et attention, le clou du spectacle. Pas ce soir. Si, le clou du spectacle, attention, je te vous sers tous les chanteurs morts, je suis le meilleur imitateur du Terre-Lachaise. Je te vous sers Yves Montand, Charles Trenet, Pascal Odisto. Non, non, Jean-Marc, là. Il est pas mort. Il est pas mort. Oui, il a la chance de tourner. Imagine, Lucie, Lucie, c'est moi. Ah, voiture, c'est fini. Jean-Marc. A cerné sa gueule. Bon, hé, hé, hé. On est là pour rigoler. C'est de la télé. Faut rigoler. Ah, si tu veux rigoler, tu fais des vraies blagues. Je sais pas, genre Pascal au bistrot ou... Il est content. Il a fait sa blague de merde, il
content. Tu es plus content. Ben, je suis content. Ça se voit. Les gens, quand ils t'ont vu arriver, ils sont dit lui, il est content. Elle mis son petit jean, ses petites chaussures de tantouze. On s'est dit, c'est une émission moderne ici, alors on va mettre des chaussures, Jean-Marc. Mais il y a l'écran géant qui s'ouvre derrière, on croit que c'est moderne. En fait, non, il y a deux yeux qui tirent de chaque côté. Et René, il est là, vas-y, tire notre téloche. Il est tireur de téloche de père en fils. Jean-Marc, c'est bon. Bien, merci beaucoup, on va arrêter là. En tout cas, je voudrais juste remercier le public parce que vous avez été très patient avec lui. Donc, je vous applaudis d'une main. Elle est où, l'autre? Oh bah, je l'ai encore dans le cul. Merci, Vincent. Jeff Panacloc.